Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alors, on avait parlé de quel compagnon? De Bilal ibn Rabah. Et Bilal radiallahu an, on avait dit c'était le compagnon, le premier esclave qui s'est converti à l'islam, et c'est lui le premier qui s'est converti à l'islam, et c'est lui le premier, pardon, qui a fait l'appel à la prière. Ensuite, Bilal, donc qui me rappelle qui était le maître de Bilal avant lorsqu'il était encore esclave? Comment il s'appelait son maître? Zahara? Umayya ibn Khalaf. Et sachez que lorsque Bilal était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il y a eu une grande bataille. Il y a eu une très grande bataille entre les mécréants et les musulmans. Et les mécréants de la Mecque, ils sont venus pour tuer les musulmans, pour faire du mal aux musulmans. Et les mécréants de la Mecque, les Quraysh, ils ont préparé une armée de nobles. Il y avait des nobles, des gens riches, il y avait même des enfants dans cette armée. Et lorsqu'ils ont dit à Umayya ibn Khalaf, viens avec nous, on va tuer les musulmans. Umayya, il a eu peur. Il a dit, non, moi je ne viens pas. Et sa femme, elle lui a dit, tu es un lâche. Et là, il a eu honte et il est parti. Il est parti à la bataille de Badr. Il est parti, Umayya le méchant, il est parti pour assassiner les musulmans qui étaient à Médine. Et là, la bataille a commencé. La bataille a fait rage. Les épées, les coups d'épée se sont croisés. Et à la fin de la bataille, Umayya ibn Khalaf, il a vu que les musulmans étaient en train de gagner. Vous savez ce qu'il a fait? Il a eu peur. Et il a demandé aux musulmans de les protéger. Il a demandé aux musulmans de « Ne me tuez pas, laissez-moi. » Mais Bilal, radiyallahu anhu, et vous savez ce que Umayya ibn Khalaf a fait à Bilal comme torture. Lorsque Umayya ibn Khalaf, il a été voir Abdurrahman ibn Aouf, un musulman, et lui a demandé la protection. Les musulmans n'ont pas accepté que Umayya ibn Khalaf soit protégé par un musulman. Parce qu'Umayya ibn Khalaf
ne voulait pas se convertir à l'islam. Et Bilal, radiyallahu anhu, l'a combattu. Et Bilal a eu sa revanche sur Umayya ibn Khalaf. Et Bilal, il a gagné. Également, Bilal, radiyallahu anhu, à la 7e année de l'Hégire, 3 ans avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à la bataille de Khaybar, qui était une grande bataille que les musulmans ont fait. Ensuite, à la 8e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est reparti à la Mecque. Et là, la Mecque n'était plus sous le commandement des mécréants des Quraysh, mais c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est devenu le chef de la Mecque. Et lorsqu'il est rentré à la Mecque, il a dit à Bilal, monte sur la Kaaba et fais l'adhan. Il a dit à Bilal, monte sur la Kaaba et fais l'adhan. Et lorsque Bilal, radiyallahu anhu, il a fait l'adhan, les gens venaient en masse. Ils venaient en masse, en groupe, venir et se convertir à l'islam. Et venir, venir voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour rentrer dans l'islam. Ensuite, à la 10e année de l'Hégire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et Bilal, radiyallahu anhu, il était tellement triste. Il était tellement triste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était mort, qu'il n'arrivait plus à faire l'adhan. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait l'adhan et qu'il disait « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah »« J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah » Bilal n'arrivait plus, tellement il pleurait, il n'arrivait plus à faire l'adhan. Et à chaque fois qu'il faisait l'adhan, il pleurait lorsqu'il disait « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » jusque Abu Bakr, radiyallahu anhu, tellement il voyait que Bilal était triste et qu'il avait du mal à faire l'adhan, il lui a dit « Ne fais plus l'adhan, car ça s'est devenu insupportable pour toi. » Également Abu Bakr, il était tellement triste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il pleurait tellement qu'il est mort de chagrin. Il est mort de tristesse. Tellement il pleurait parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Regardez comment ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous aussi, on doit aimer le prophète alayhi salatu wa sallam comme cela. Ensuite, Bilal, radiyallahu anhu, il a quitté Médine et il a fait des expéditions avec les musulmans et il est parti vers Damas en Syrie, dans une ville près de Damas en Syrie. Et lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu est mort, c'est Omar ibn al-Khattab qui est devenu le calife, le chef des musulmans. Et il a ordonné à Bilal de faire l'adhan. Et lorsque Bilal il a fait l'adhan, Omar et tous les compagnons qui étaient là, ils ont eu les larmes aux yeux parce qu'ils se sont souvenus du moment où Bilal, il faisait l'adhan en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont souvenus à quel point ils aimaient cette époque et qu'ils ont vécu la meilleure des vies à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Bilal, radiyallahu anhu, est mort. Et juste avant de mourir, sa femme était à côté de lui. Juste avant de mourir, sa femme était à côté de lui. Et elle a dit, quelle tristesse.
Bilal va mourir, quelle tristesse. Et vous savez ce que Bilal il a fait. Alors qu'il était en train de mourir, il a retiré le drap de son visage et il a dit à sa femme, ne dis pas quelle tristesse, mais plutôt quelle joie. Il était en train de mourir et il a dit, ne dis pas quelle tristesse, mais plutôt quelle joie, car demain je vais rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il était content de mourir parce qu'il savait qu'il allait être ressuscité avec ceux qu'il aime. Et il aimait tellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Bilal, il sera ressuscité avec le prophète Mohammed et il sera dans le paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants, n'oubliez pas l'importance des compagnons. Et notamment l'importance de Bilal. Bilal, il faisait partie des gens que même lorsqu'il était en vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé qu'il allait aller au paradis. Un jour, Abu Huraira, radiyallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui le messager d'Allah ? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à Bilal. Écoutez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Bilal. Il lui a dit, ô Bilal, parle-moi donc de la bonne action que tu as faite depuis ta conversion à l'islam. Dis-moi une hasanat, une bonne chose que tu as faite depuis que tu t'es converti à l'islam et que tu espères la récompense. Écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Il lui a dit, j'ai entendu tes pas dans le paradis. J'ai entendu les pas, le bruit de tes sandales, de tes chaussures devant moi dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les bruits des pas, des sandales, des chaussures de Bilal dans le paradis. Et Bilal radiyallahu anhu, il a dit, l'action dont j'attends la plus grande récompense, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait mes ablutions, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, j'ai prié deux rak'at. À chaque fois que Bilal il faisait les ablutions, il priait deux rak'at. Il priait combien ? Deux rak'at. Et c'est ce qu'on appelle sunnatul wudu. À chaque fois que tu fais les ablutions, qu'est-ce que tu fais ? Tu pries deux rak'at. Et les mérites de Bilal, radiyallahu anhu, sont nombreux. Donc je disais que les mérites de Bilal sont nombreux. Et les mérites de tous les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont nombreux. C'est pour cela que le musulman doit prendre comme exemple notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين